Retrouvez une idée de la réussite avec la banque HSBC. Richard Descoings, bonjour. Vous avez fait le pari de recruter des élèves de Sciences Po dans les zones d'éducation prioritaire et c'est une réussite. À Sciences Po, on essaie de contribuer à former des gens qui auront des responsabilités dans les entreprises. Il faut donc qu'on ait un recrutement le plus divers, le plus varié, que tous les talents, tous les mérites puissent se faire valoir. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne va pas recruter directement nos élèves dans ce lycée pour lesquels l'éducation nationale voudrait mettre des moyens en priorité. Et j'ai eu la chance d'avoir avec moi de tout jeunes collaborateurs. Ils sont allés un peu tâter l'opinion, le terrain. Ils ont vu des profs, des proviseurs. On dit voilà, quand on veut diversifier les procédures de sélection. Il y a aujourd'hui en scolarité à Sciences Po pas loin de 400 élèves qui tout simplement ont passé leurs études secondaires dans un collège ou dans un lycée classé en ZEP. Ça veut dire quelque chose. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un bon collège ou dans un bon lycée qu'on n'a pas le droit à l'ambition. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a le travail et encore le travail qui sont au fondement de la réussite. Et puis il y a la chance. C'était un point de vue, une idée de la réussite avec la banque HSBC.